Mon nouveau surnom, appelez-moi désormais le couteau suisse de l'UFDG. Le couteau suisse de l'UFDG. Couteau suisse de l'UFDG. Ah ouais, le jeune boss. I'm king. Le couteau suisse de l'UFDG. Appelez-moi désormais le couteau suisse de l'UFDG. Et RPG. Et... Non, mensonge là, ça va pas vous finir, quoi. Ça ne va pas finir avec vous. Mensonge là. Et voilà. Bon, le gars, il m'a trop cherché. Je l'ai trop évité. Les gars, ils m'ont trop cherché. Je les ai trop évités. Les gars, là, les deux personnes, là. Le petit marabolé de Konyanke qui est à Paris, là. Saleté, là. Gawa, là. Simple demandeur d'asile, là. Qui ne peut pas, qui n'a même pas un diplôme, qui part faire les... laver les assiettes, qui part ramasser la tomate, là. Appelez-moi le petit, là, parce que je ne l'ai jamais répondu. Une fois, là, j'ai fait une vidéo, je parlais de quoi? J'ai dit le prix de mon bazin, il a fait une vidéo contre moi. Les gens l'ont répondu là-bas, qu'il est contre moi. Hey, je suis votre king, je suis votre papa. Damaro, toi, quant à toi, on voit que réellement, tu souffres. Tu souffres. Toi, je t'en veux pas trop. Je te jure, mon frère Damaro, je te le jure sur le Saint-Coran. Je parle en tant que bon musulman. Hmm? J'avais de l'affection pour toi parce que je savais que tu es seulement dans un système que tu ne connais pas. Tu as tout ce que tu as dit sur moi, c'est de mensonges. Du A à Z. C'est que ceux qui ne connaissent pas Gibril, moi, Gibril est un chanceux qui a eu la chance d'avoir un blanc pendant qu'il galérait, qu'il a envoyé en Europe, qu'il a adopté, qu'il lui a donné des milliards, qu'il lui a donné, va investir chez toi. Pendant que vous tous, vous êtes en train d'arnaquer les blancs là-bas en leur mentant pour dire que, ah, je suis rentré comme si je suis sorti comme ça. Arnaqueur, c'est celui qui ment pour avoir quelque chose avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle arnaqueur. Tu mens, tu dis, ah, c'est ça alors que ce n'est pas ça. La personne te donne ça. Moi là, mon blanc, il m'a donné l'argent pour venir investir dans mon pays. Tout ce qu'on dit là, hein, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien contre moi. C'est seulement le mot arnaqueur, 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 arnaqueur. Non, mais vous faites pitié, hein. Vous faites pitié. Vraiment, vous faites pitié. Vous faites pitié. Mais je vous dis un truc. Moi, je ne veux pas trop vous répondre. Parce que je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas au même niveau que vous. Je ne sais pas, je n'ai pas une bonne connexion, je ne sais pas quoi. Voilà, tu vois, tu n'es pas tranquille dans la tête, tu cherches buzz. Tu veux que je te donne du buzz, je vais te donner du buzz. Tu viens répondre à mon commentaire. Moi, je ne regarde même pas tes vidéos. Je ne te connais pas. On me partage tes vidéos. Je ne te connais pas, ni Dev, ni Dadan. Si tu sais parler, il faut retourner aux États-Unis. Pendant que tu es en train de galérer ici, là, assis dans un coin sombre, là, avec ton visage noirci, là, tu es à Conakry, je suis à Conakry. Si tu es homme, ne sors pas pour faire une autre vidéo contre moi. Invite-moi dans un coin, on va faire corps à corps. On va faire corps à corps. Si tu es fâché contre moi, là, hein, tu es à Conakry, en dessous d'Amaro, je te parle. Parce que le petit marabolé Konyanke, là, c'est les Konyanke, je ne veux pas... C'est-à-dire, je ne veux pas insulter toute une communauté à cause de vous deux sales. Ta bouche qui sent là. Et tes zizi, kiki, que tu ne laves pas la propre là. Avec ça là, on ne peut pas faire pipe là avec toi là. Je te dis, tu es à Conakry. Je suis à Conakry. Je ne suis pas caché de... Ceux qui sont en train de te parler de moi, d'oser de m'attaquer, demande-leur bien de te dire qui je suis et de quoi je suis capable. Invite-moi, je t'aime. En tout cas, moi, je t'invite en dessous d'Amaro. C'est pas les lives qu'on va faire, parce que moi, après ça, je ne ferai plus de live. Je ne ferai plus de live pour te donner du buzz, pour que les gens partent regarder ta page.
je ne le ferai pas. Je t'invite, tu es à Conakry, je suis à Conakry. On prend les policiers en témoin, on nous laisse nous battre juste 5 minutes, 5 bonnes minutes comme ça là. On nous laisse nous battre juste 5 bonnes minutes. Je suis le couteau le couteau suisse de l'UFDG. Et je te préviens, demande à ceux qui sont en train de te parler, depuis que moi je suis né, Dieu n'a pas mis cet homme-là sur terre d'abord, qui a mis ma tête par terre, moi. Je te dis ça. Quand tu me vois, je suis petit, fleque. Tu vas dire que ah, lui ne connaît rien. Maintenant, tu es fâché contre moi. Je t'invite, moi, dans un coin de Conakry. On met le live. Je vais te chicoter bien proprement, sans même me salir. Je ne parle pas pour parler de... Si tu n'es pas sûr, sors, tu fais une vidéo, tu dis, tu acceptes mon défi. Au lieu de faire vidéo pour dire mensonge, que moi j'ai dit à Adja dans mon live, ah, Adja, il y a mes enfants dehors, il faut me donner l'argent, je vais leur donner. Poré, tu n'as pas honte de mentir. Votre président vous a piqué avec le mensonge. Quelqu'un d'autre qui parlait à côté parce qu'ils ont trop attendu Adja pour que Adja les libère en leur donnant des t-shirts. Tu ne connais même pas ma voix. Moi, je vais dire à Adja, donne-moi, il faut m'arranger, je vais arranger mes enfants. Tu as entendu ça de ma bouche? Regarde-moi, tu n'as plus rien à dire parce que tu es frustré. Tu as quitté aux États-Unis, tu es rentré ici, le RPG t'a négligé. Tu fais le combat pour un parti qui ne te calcule même pas. C'est dommage pour toi. Je voulais même te contacter pour te recruter pour l'UFDG. Billahi, je voulais même te contacter pour te recruter pour l'UFDG. Moi, je suis un king. Vous n'êtes que des petits blogueurs. Le petit marabout est Samala. Hein? Toi, je t'attrape, je te coupe ton zizi en barbecue. Et je chauffe ça bien, je la mange. Hein? Les blancs que tu es en train d'arnaquer là, en leur disant que tu cherches asile là, pour dire les mensonges là, pour ton interview là. Les blancs que tu es en train d'arnaquer, l'argent que tu es en train de gagner, c'est-à-dire l'argent qu'on t'envoie, l'aide qu'on t'envoie. Je te dis, je vais te couper ton zizi. Je fais un barbecue avec. Petit, ça va. Parce que tu as fait une vidéo contre moi il y a quelques mois où tu as parlé de mon bazin. Regardez-moi des petits sortis de nulle part qui veulent du buzz. J'ai jamais voulu leur répondre. Hein. Franchement, j'ai jamais voulu leur répondre. Même Sama, en te voyant parlant avec tes Français ramassés dans ton petit saleté de kiki sale là. Franchement, quand tu parles, au lieu de dire de rester dans sur ma phase, il dit reste dans ton pose. Reste dans ton pose. On va répondre quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui ne sait même pas s'exprimer en français. Quel travail toi tu vas faire en France? Tu n'as même pas de diplôme. Quel travail tu vas faire en France? Quel travail? Et puis il est là, il fait le fou, il sort avec les blazers, il met l'écouteur. Je pars au travail là, je suis en retard. Quel travail? Laver les assiettes. Hein? Ou faire le ménage. Parce que c'est le seul travail qu'on peut te donner. Tu n'as même pas de papier. Si tu es homme là, quitte là-bas, viens ici pour faire le combat sur le terrain. Ansou Damoro, toi, ce que je t'ai dit là, hein? Tu es à Conakry, je suis à Conakry. Il y a mon numéro sur ma page là-bas. Appelle-moi ou envoie-moi un SMS. Je pars te rencontrer. On appelle les gens pour témoigner. On fait vidéo live. Tout de suite là, tout de suite. Je te chicote proprement. Quand je vais te chicoter, 10 ans, tu ne vas pas être sale. Je te jure. Et puis ça va être un bon massage pour toi. Moi, je ne vais pas sortir pour dire que tu arnaques. Les cadres que tu es en train de tenter d'arnaquer ou tu es en train d'arnaquer pour qu'on te donne... Demande à vos cadres RPG si quelqu'un m'a vu m'arrêter devant leur bureau là-bas pour leur demander. Demandez ça. Hein? Vos cadres d'RPG là. Parce que j'étais entendu dire le mensonge là aussi. Ah, Djibril, c'est des gens pareils comme ça là, hein, qui ont essayé d'arnaquer les cadres sous, les cadres tout. Pour être, tu n'es pas homme. Parce que si tu es homme là, tu ne vas pas faire une autre vidéo pour parler. Moi, c'est ma première et dernière vidéo contre vous. Je te dis, Damaro, Naram Falafébé, Damaro, je te dis, tu es à Conakry, je suis à Conakry. Je t'invite,
on s'invite quelque part dans un terrain neutre, je vais te chicoter proprement. Comme ça, on va avoir un match, un bon match de lutte RPG contre UFDG. Tu fais triste. Tu es pitoyable parce que l'RPG n'a pas besoin de toi. Tu cherches le buzz. Tu cherches le buzz. Tu cherches, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour que l'RPG pense à toi et à là. Tu es pitoyable. Tu as quitté aux États-Unis. Tu n'as rien là-bas. Tu es venu à Conakry pour que RPG t'aide. RPG ne pense même pas à toi. Tu as même fait une vidéo pour insulter tes cadres RPG, pour dire que ils sont en train de regarder les gens qui viennent d'arriver dans le parti. Et est-ce que toi, maintenant, tu dois te lever, t'asseoir sur les réseaux sociaux, parler sur quelqu'un, parler pour quelqu'un? Tu es dans RPG maintenant. Tu es en train de faire les vidéos seulement pour faire semblant. Mais sinon, ton cœur n'est plus là-bas. Parce que là où tu es là, le t-shirt jaune même que tu portes là, c'est de la mauvaise qualité. Regarde, je porte le Lacoste original de mon parti qui est distribué aux vrais éléments de l'UFDG. Je porte du Lacoste original. Ta t-shirt jaune là, c'est la mauvaise qualité qu'on donne aux enfants dans les quartiers. Après, les enfants jettent ta t-shirt là. Les bons cadres du RPG, ils ont tous des chemises jaunes, bien cousues là. Ils ont les chemises jaunes, ils ont les Lacoste RPG. Regarde, tellement RPG t'a négligé. Et voilà. Maintenant, je vais te donner le buzz là, pour que tes patrons là, du RPG puissent penser à toi. Yandi, pensez à Damaro, fils. Il a quitté les États-Unis pour venir à Conakry. Il est en train de dire aux gens, les arnaqueurs. Arnaqueurs, je circule. Où est la preuve? Arnaqueur, je circule. Affaire de Montblanc, là. Ceux qui vous ont mis ça là dans la tête, ils sont en train de vous dire, parce qu'ils n'ont rien contre Djibril. Rien. Où est la preuve? Où est la preuve? Si tu veux parler là, tu dis, arnaqueur, lui là, tout. Où est la preuve? Envoie la preuve devant une vidéo. Tu parles de ça? Tu parles de ça? Non, Damaro, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parler. Franchement, je n'ai jamais voulu te répondre. Parce qu'un jour, là, tu as fait vidéo, tu n'as pas dit mon nom. Mais c'était à moi que tu parlais. L'autre fois, là, le petit, là, il a fait vidéo, il a dit mon nom. Je n'ai pas répondu. Moi, je laisse toujours une petite chance à des gens qui me clashent. Je ne les clash pas au départ. Je les laisse, je les observe. Parce que tu viens raconter ce que tu veux raconter. C'est couteau suisse de l'UFDG. Couteau suisse de l'UFDG. Voilà, il y a des gens qui sont en train de m'écrire en inbox là, sur mon WhatsApp, de les appeler qui vont me parler de toi. Moi, boss, toujours boss de son état. Je te nourris. Si RPG ne s'occupe pas bien de toi, là, viens, je vais m'occuper de toi. Je vais te donner location, je vais te donner loyer, je vais même te donner voiture pour que tu te sens bien. Parce que tu es trop frustré. Trop frustré, mon frère. C'est triste, c'est dommage pour toi. Tu es trop frustré. Voilà. Trop frustré. Que moi, il n'a même pas honte de mentir. Que moi, si tu es sûr, que j'ai dit dans un de mes lives, que Hagia, donne-moi un peu, je vais donner à mes petits là. Cherche la vidéo, parce que tous mes lives sont là-bas. Cherche la vidéo, tu cherches la partie là. Tu mets la partie là dans une de tes vidéos. C'est tout. Ou tu télécharges la partie là, tu publies sur Facebook. Si tu es sûr. Et puis tu es là à dire que moi je ne dis pas aux gens de partir sur les pages des gens. Qui te regarde? Qui te suit toi? Qui te regarde? Tu veux te mesurer à moi? Tu es là, tu as dit à l'autre fois de regarder mes abonnés. Tu sais que moi j'ai combien de pages? Est-ce que tu sais, j'ai peur de mettre leur envoi. Je vois des gens aussi qui disent le rapatrier. Qui m'a rapatrié moi? Qui m'a rapatrié? Où est la preuve que moi j'ai été rapatrié? Guinéens, vous prenez péché cadeau, hein? Vous prenez péché gratuit. Qui m'a rapatrié? Où? Moi qui me suis embarqué tranquillement dans l'avion pour venir dans mon pays. Qui m'a rapatrié, moi?
Là, il a. Vous n'avez rien à dire. Hein. Vous n'avez pas les armes contre UFDG. Vous n'avez pas les armes contre l'UFDG. Vous n'avez pas les armes contre les militants, les communicants de l'UFDG. Vous n'avez rien à dire, sauf seulement des mensonges. Vous inventez des mensonges. Petit Sama, je te dis, c'est tes grands-parents, les Konyanké là, qui ont inventé les arnaques. Et que tu es en train de suivre ça maintenant là. Parce que tu as dit aux Blancs là-bas, tu es parti là-bas, tu as demandé asile, tu as raconté des mensonges, tu es en train d'arnaquer les Blancs. Et au Maroc, on sait que les Konyanké, et en Europe, vous êtes les champions d'arnaque. Parce que arnaqueur, la signification, définition d'arnaqueur, allez taper tout de suite sur Google. Arnaqueur, définition, quelqu'un qui ment pour avoir quelque chose. C'est celui-là qu'on appelle arnaqueur. Et tes grands-parents, là, Sama, c'est eux qui ont adopté ça. C'est cette voie que tu es en train de suivre. Et toi, Damaro, là, c'est ce que tu es en train de faire au cadre guinéen ici. Mais ils ont compris le système. Ils t'ont piétiné, poum, 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 poum. Tu vois, ils ont mis les vrais combattants, les combattants qu'ils veulent que les gens voient là. C'est eux qu'ils ont mis devant. Est-ce que RPG t'a pris ici pour faire sa campagne? Non, mais le gars là, il est drôle. Moi, UFDG aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Pourquoi? Parce que I am king. Tu vois, non? I am king. La force là, hein? Elle est là. Hein? Ce n'est pas à dire faire des beaux paroles. Non. Pour RPG. Combien d'années? Jusqu'à présent, on te néglige, tu es assis dans les petits coins. C'est triste, hein? Jusqu'à ce que tu t'es levé pour faire vidéo contre tes cadres du RPG. Et tu vas dire que toi, tu es tranquille dans la tête. Toi, tu es plus tranquille dans la tête que moi. Moi, je te dis, je ne me lèverai jamais contre le UFDG. C'est mon parti. Même s'ils mettraient les gens devant moi, je ne me lèverai jamais. Tu es frustré, tu ne sais même pas quoi faire, tu n'y réfléchis pas. Ta vidéo là, ça circule. Jusqu'à ce que les autres t'ont répondu. Non, franchement, mon frère, si tu n'as rien à dire maintenant, hein, je te dis ça, si tu n'as rien à dire et que les gens ne te calculent pas, hein, tu veux que je te donne du buzz pour que les cadres du RPG pensent à toi là. Je te donne le buzz là. Je te donne ça cadeau gratuit. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé, les personnes proches à moi m'ont dit de ne pas te répondre, de laisser tomber. Si tu veux me connaître là, viens. Tu vas me connaître. Tu sauras que moi, je suis un saint arnaqueur. Et arnaqueur, le plus grand bandit, il circule dans Conakry, il circule dans la Guinée. On ne l'envoie pas à la gendarmerie, on ne l'enferme pas. Putain, chercher des choses importantes à dire. Tu es en train de... C'est-à-dire, tu es en train de chercher comment arnaquer les cadres de RPG. Tu n'as pas eu la solution. Maintenant, je te donne cette solution-là. Hein? Les cadres du RPG, pensez à Ansou Damaro. Il est frustré. Il a quitté les États-Unis. Il ne peut même pas retourner là-bas. Il ne peut plus retourner là-bas. Hein? Parce qu'il ne va pas rester ici. Hmm? Il ne peut plus retourner là-bas. Aidez-le. Donnez-lui quelques jetons. Il va se chercher ailleurs. Franchement. Hmm? Tu dis que moi, j'ai dit dans la vidéo que de donner le pouvoir au peuple. Oui, j'ai dit dans ma vidéo de donner le pouvoir au peuple. Parce que vous, les militants de RPG, vous avez changé l'image de l'UFDG. Vous avez dit que l'UFDG, c'est les peuples. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Vous avez changé l'image de l'UFDG. Vous avez changé l'image de l'UFDG. Vous avez dit que l'UFDG est un parti peul. Donc, je vais dire de donner le pouvoir au peul. Ou bien, hein? Je vais dire de donner le pouvoir au peul. En tout cas, moi, j'ai un bon palmarès en Guinée. Parce que j'ai nourri des enfants pendant 3 ans, tous les jours. 50-100 personnes s'asseyent devant ma porte. Je leur distribue de l'argent. Demande, tu es à Conakry. Va, tu te renseignes à Kaloum. J'ai fait mon palmarès à Conakry. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour la Guinée?
qu'est-ce que tu as fait pour ton quartier? Seulement si tu ne veux pas commander les cadres sous-sous là. Le petit qui est sorti là, le Sama là, le Marabolé là, le chercheur de buzz là, parce qu'il veut abonner, on lui a piraté son ancienne page là, il veut avoir des abonnés. Toi, je coupe tes zizi en petits morceaux, je le fais en barbecue et je mange. Parce que si toi et moi, tu me vois en face, tu ne vas même pas oser dire bonjour ou bien bonsoir. Je te dis, moi je ne suis pas une petite personne. Je vous réponds, je n'allais même pas vous répondre. Parce qu'il y a mes petits qui m'ont envoyé des vidéos qui voulaient parler, vous insulter. Je les ai dit non, ne les insultez pas. Laissez-moi, je vais répondre. Je vais répondre. J'ai dit moi-même, je vais répondre. Le truc d'arnaque que vous racontez, où est la preuve? Où ça y est? Hein? Parce que mon blanc, toi qui es là-bas, là, tu étais aux États-Unis, tu cherchais blanc, car tu n'as pas eu. Le petit qui est là-bas, là, il cherche blanc, il n'a pas eu d'abord, car moi j'ai eu blanc, il m'a tout donné. Il m'a fait voyager partout. J'ai dormi dans des hôtels de 1 500 €. Ça aussi, tu peux dire que c'est mensonge. Oui, des hôtels de haut standing. Il m'a mis là-bas. J'étais dans un appart, je n'ai même pas connu la difficulté en Europe pendant un seul jour. Un seul jour. J'étais là tranquille. Si tu ne sais pas, va demander les gens qui sont en Europe, en France, si ils m'ont vu une fois ou j'ai appelé quelqu'un une fois là-bas pour dire donne-moi 100 € ou donne-moi 1 000 €, prête-moi ça. C'est moi qui donnais aux gens. Parce que mon papa, il m'avait tout donné, jusqu'avant sa mort, il m'avait tout donné. Je n'avais pas besoin d'arnaquer quelqu'un. Je n'ai jamais eu besoin d'arnaquer quelqu'un. Jamais de la vie. Pété de twin. Hein? Parce que tu es là. Oui, oui. Mais vous étiez où, là? Ok, ok. Ah ouais, je viens. Va demander les enfants de Kaloum. Si tu vois que moi, je suis king à Kaloum, c'est parce que je les ai nourris. J'ai connu leurs difficultés. Les enfants, là, sont venus me chérir. M'ont appelé papa, m'ont appelé tonton. Pendant 3 ans, je les ai nourris. Sans qu'un jour ne passe, je n'ai pas donné des millions et des millions aux gens. Tous les jours, dans les rues de Kaloum, en banlieue, à Afia. Va, tu te renseignes. Je suis là en train de dire. Les gens là sont en train de me regarder. Si c'est mensonge, ils vont dire. Moi, en tout cas, j'ai ma palmarès en Guinée. Affaire de blog là, je le fais juste par plaisir. Juste parce que les gens sont habitués à moi. Mais toi et moi, là, Damaro, wallahi billah, on n'est pas du même pied d'égalité. Le petit, là, le petit Konyanké, là, lui, je ne le calcule même pas. Parce que lui, là, à Conakry, ici, il devient le laveur de mes chaussures. Le laveur de mes chaussures. Vous pensez qu'arnaque, arnaque, là, l'étiquette, là, que vous voulez coller à moi, là, hein? Je n'ai rien à cirer. Parce que je suis patron, millionnaire, milliardaire. J'ai connu la belle vie. Deo, invite-moi. Dans un coin de Conakry, on est tous là. On va faire ça. Le monde entier va regarder le live là. En tout cas, moi, je suis disponible là. Tant que tu seras prêt, je serai là. Hey. Le moment que tu seras prêt, c'est ce que je veux dire. À tout moment, quand tu seras prêt, fais-moi appel. Je vais mettre le live, tu vas mettre le live, on va se botter. Mais je te dis, tu ne vas pas regretter, hey, tu ne vas pas aimer ça. Hein? Parce que je te dis, je suis un lutteur de Bouloubini, un lutteur. Donc, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Bon, franchement, je parle là sur Damaro, hein? Mais je n'ai jamais voulu le clasher. Parce que pourquoi? J'ai vu que c'est quelqu'un, il a mené des combats pour un parti qu'il a négligé. J'ai eu pitié de lui. C'est pourquoi quand il m'a clashé pour la première fois, je l'ai laissé quoi. J'ai dit, ah le gars, bon, j'ai de l'estime pour lui. Il a fait son combat là. Mais là où il est là, seulement il a honte, il ne peut pas quitter dans RPG. Il est là-bas seulement. Et puis il y a un truc que tu fais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrête de traiter des êtres humains de moutons. Arrête de traiter les autres de moutons. Arrête de traiter les autres de moutons. C'est un conseil que je te donne en tant que frère. Un conseil que je te donne en tant que frère, parce que tu me regardes. Arrête de traiter, de dire aux gens les moutons. Imagine-toi, tous les trucs
sale que toi tu es en train de dire sur les gens aujourd'hui. Imagine-toi qu'un jour, l'affaire de RPG s'arrête. D'un seul coup, l'affaire de RPG s'arrête. Est-ce que toi, tu peux aller dans un coin où que tu verras les gens là? Les gens là vont te reconnaître sans qu'il n'y ait de haine entre toi et eux. Arrête de dire aux gens les moutons. Fais ton combat pour ton parti. Tu es de RPG. Fais ton combat pour ton parti. C'est lui ou ceux qui t'ont mis cette idée-là dans la tête, t'ont mis l'idée-là dans la tête de traiter les autres de moutons, sont en train de mettre sur le mauvais chemin. Tu dis que toi, tu es tranquille dans la tête. Maintenant, le tranquillisant, le gueule d'ange, je te donne ce conseil. Arrête de traiter les autres de moutons. Laisse les autres en paix. Fais le combat pour ton parti. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon live, de donner le pouvoir au peuple, c'est parce que vous avez donné cette image-là au peuple. Vous avez dit que l'UFDG, c'est le peuple. Maintenant, la partie que tu dis que j'ai dit à Adia de me donner un peu, je vais donner à mes petits. Prends la vidéo là, la partie là, tu mets, le monde va entendre si c'est ma voix qui a dit ça. Je te donne cette chance là. C'est-à-dire, je te donne, je te défie. Va, tu cherches cette vidéo, tu prends cette partie là, tu mets, le monde va écouter. Parce que quand je t'ai écrit tout de suite là, tu as fait capture, tu as mis sur ta page car je t'ai mis dans un piège. Juste, je savais que tu allais faire capture pour mettre ça. Je suis king. Affaire de blog, je t'ai dit, j'ai fini avec tout ça. J'ai 3 pages. Ça là, je l'ai ouvert cette année là. Agile King là. Mon plus gros page, va, tu tapes Djibril Agile officiel. J'ai 210 000 abonnés là-bas. Si tu veux te comparer à moi, à un abonné là, tu es mort dans le film. J'ai 210 000 abonnés sur Djibril Agile officiel. Ça là, Agile King, je rentre dans les 70 000 là. J'ai ouvert une autre page, AJTV. Ça est dans les 12 000. Ce que j'ai ouvert là, il y a 2 mois, juste, ça est dans les 12 000. Moi seul, je gère 3 pages. Et toi, tu as seulement ta page là. Tu veux chercher buzz avec moi, pourquoi? Si c'est affaire d'abonnés là, on ne peut pas s'égaler. Si c'est affaire de connus là, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas s'égaler. L'autre petit, il cherche des buzz pour avoir des abonnés pour sa page, sa nouvelle page là. Parce que l'autre a été piraté. C'est un gawa. On lui a menti pour dire que ah, on va te donner de l'argent. Mets-le en administrateur. Après, ils ont piraté sa page. Parce qu'il est là-bas, il est affamé. Un demandeur d'asile sans papier. Il est affamé là-bas. Il cherche de l'argent coûte que coûte. C'est pourquoi ils ont piraté sa page là. Là où c'est écrit Mr. Sama. Moi, j'ai fait ma palmarès pour ma jeunesse guinéenne. J'ai nourri la jeunesse guinéenne pendant 3 ans. Mumbara Ivala Fedala. Je ne dis pas mes bienfaits. Pendant 3 ans, j'ai nourri, habillé. J'ai envoyé 8 personnes en Europe. 8 personnes en Europe. 8 personnes en Europe. Moi qui est là, la king, tranquillement, tranquille, assis. Toi qui te cherches pour que RPG, te donne, te reconnaisse quelque chose pour qu'on te donne. Si tu ne me connais pas, mon frère, je te donne le temps. Viens, on va se connaître. Viens, on va se connaître. Viens, on va se connaître. Si tu ne me connais pas, viens, on va se connaître. En tout cas, moi, tout qu'on a crié, c'est que je suis un boss. Tranquillement, tranquille. Regarde le corps. Regarde bien le corps. Comment c'est soigné. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est propre. Hein? Grâce à Dieu qui a mis mon père blanc sur mon chemin pour me faire boss. Pourquoi tu vas être contre ça? Si des gens sont en train de te dire, faut lui dire, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, cela. Demande à les gens là, quand on était associés, quand on faisait les choses ensemble, demande-leur réellement qui ou comment je suis. Ils vont te dire. C'est-à-dire, ce truc-là, c'est simple. Tu es dans ton parti, RPG. Je suis dans mon parti, UFDG. Fais ta campagne, je fais ma campagne. Où est le problème? Où est le problème? Tu dis qu'un vendu. Vendu pour quoi? Vendu pour mon pays. Vendu pour mon pays. Parce qu'on ne va plus supporter les mensonges dans ce pays. On ne va plus supporter les fausses promesses dans ce pays. Oui, vendu.
Si j'étais vendu là depuis 2010 ou 2015, j'allais être vendu depuis 2010-2015. Mais je me suffis largement, mon frère, brother, ok? J'ai des chocs, moi. Tu connais ça? Parce que tu ne sais même pas parler en anglais. Malheureusement, pour toi, tu as vécu aux États-Unis, mais tu ne sais même pas parler l'anglais. Si tu sais parler anglais, sors, bah, tu fais une vidéo en anglais, tu parles l'anglais. Donc, quand tu m'as clashé l'autre fois, il y a des gens qui m'ont contacté, je les ai dit, non, c'est bon, ça va. Laissez-le, il est frustré parce que le RPG l'a abandonné. J'ai jamais voulu te clasher. Je te le jure, sérieusement, en âme et conscience, je n'ai jamais voulu te répondre. Mais j'ai compris que tu t'attaques à moi pour que les cadres du RPG, parce que eux là, ils me suivent, pour que les cadres du RPG là puissent penser à toi. Maintenant, c'est pourquoi je t'ai écrit, oh, ah, ok, je vais te donner ta buzz, Damaro. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de souci. Voici ta buzz. Et le petit Sama, Konyanke, comme toi aussi tu es Konyanke, arnaque là, c'est vos parents qui sont les champions, vos grands-parents là. Tout le monde entier sait ça. Les grands arnaqueurs du monde, c'est les Konyanke. Excusez-moi, ce n'est pas tous les Konyanke, parce qu'il y a les fils d'Ing Konyanke aussi. Mais la majeure partie, c'est eux qui ont adopté ça dans le monde. Je te dis clairement, reste tranquille, tu te calmes. RPG, sûrement ils vont penser à toi. Mais après les élections. Mais ça là, les plus grands stars, c'est les autres. Hein. Toi, tu n'es rien. Les plus grands stars des RPG là, tout le monde les connaît, c'est les autres. Eux là, quand ils disent attends, il y a des millions qui descendent. Quand ils disent attends, il y a les voitures qui descendent. Toi là, voilà. C'est pitoyable. Je suis king. Ou si tu veux plus comprendre ça, ce que je t'ai dit, tu es à Conakry, je suis à Conakry. Invite-moi. Prends mon numéro 621-00-00-55. 624-00-00-01. Appelle-moi. On va se donner rendez-vous quelque part. Je vais bien te chicoter. Comme tu ne vas pas écouter mon conseil en tant que frère, je vais te donner mon numéro, je vais te chicoter bien. En tant que fils de Boulbine Kaloum, je vais te chicoter proprement en live. On ne va pas couper le live. On va mettre les témoins pour ne pas... On va prendre les docteurs aussi qui vont être là. Comme ça, directement, on va te mettre dans sur la civière pour t'envoyer à l'hôpital. Est-ce que tu comprends? Accepte juste ça. Accepte ça. Parce que moi, je suis un enfant de Kaloum, de Boulbine. Je ne suis pas habitué à sortir... Parler avec un homme, quoi. Je ne vais pas te répondre. Parce que c'est le travail des femmes, ça. Tu vois, non? Après, là, tu vas aller t'asseoir pour faire une vidéo. Encore, je ne vais plus te répondre. Moi, je ne ferai plus de vidéo. J'ai dit ça seulement pour un avertissement. Est-ce que tu comprends? Je suis Guinéen. Tu es Guinéen. De Conakry. Je suis de Conakry. Konyanke, Soussou. Je suis là. Hein? Je ne veux. Tu es un homme. Je suis un homme. Je ne vais plus faire de vidéos pour dire que ah, tralalalalalala, Damaro, gnognognognon, c'est rentré, sorti comme ça. Je vais te chicoter corps à corps, bien même, proprement. Tu ne crois pas? Viens, tu vas essayer.